Salut tout le monde, c'est Largué, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, pour une vidéo présentation de serveur en soi, vu que bon, je l'ai déjà fait, ce serveur, Phoenix Rebirth. Apparemment, le hub a changé depuis la dernière fois que j'y suis allé, le hub a changé, mais du coup, je l'avais pas fait en tant que présentation de serveur. Et puis là, par contre, on va hyper vite dans le spawn alors qu'il est petit, ça fait un peu bizarre, mais bon, c'est un détail. Voilà. Donc bon, là, vu qu'on est le soir, il y a juste des mecs en herdeur. Mais bon, c'est un petit détail, on voit zéro joueur partout, avec juste un serveur et tout, zéro joueur. Mais bon, si vous venez dessus, vous allez sans doute... bon, pas à cette heure-là, vu qu'il est 21h presque, mais vous allez sans doute pouvoir coloniser un peu les serveurs. Donc là, le premier que j'ai pu pas encore tester, mais que j'ai voulu tester, Hardcore Chrono. C'est un UHC, on doit tuer le Wither, le dragon de l'End, et un gardien, je crois, à tuer. Et ça, la survie se finira. Par contre, on peut pas mourir. Si on meurt, on perd. Ok, du coup, on va aller voir le guide. Et hop, le guide, il peut nous faire visiter présentation des jeux. Donc, présentation des jeux, on clique sur lui. En premier, voilà, donc voilà la présentation des jeux. Le KTP. Des combats en UHC sur une map limitée. Top Gun. KTP avec un traître dans chaque équipe. Donc ça c'est cool. Faudrait le faire en vidéo je pense. Tower, la première équipe a 10 points à gagner. Ok. Rush, empêcher l'équipe adverse de respawn. Nail, détruisez ou défendez les éponges. Ça doit être drôle. Faudrait le faire en vidéo aussi. Block Legacy, la première équipe a 300 points à gagner. Murder, un meurtrier doit tuer des innocents. Pile of bodies, une arène composée d'un empilement de skins. Balls of steel, récupérer des diamants pour gagner. Cube control, chaque cube vous donne un item. Ok. Cluster chunk, des satellites contenant des ressources. Hardcore chrono, tuer les trois boss. Ah voilà. Twice build, une construction basée sur deux thèmes. Diabloc, une arène mêlant PVP et PVE. Monster Industries, devenez la meilleure industrie. Skywars UHC, du PVP sur des îles en UHC. Dédale, une capture le drapeau dans un labyrinthe. Oui, merci pour votre visite. Bon jeu sur le serveur. Bon, ils vont tous retourner en murder. On va les rejoindre, je pense. Hop, donc, oups, voilà, ça doit être celui-là. Voilà, Murder. Mais on va essayer d'autres mini-jeux après. Pas dans cette vidéo, du coup, parce que, bon, je pense qu'il y a pas assez de monde, et puis il faudrait ramener d'autres mondes qui soient intéressés par les autres mini-jeux aussi. Il y a, je crois que c'est le Nail avec les éponges, qui doit être hyper drôle. Sinon, je pourrais faire du Top Gun aussi là. À la limite, voir du Top Gun Mumble. Si c'est possible, je leur demanderai si c'est possible de mettre le Mumble en plus à nous pour qu'on puisse faire des Top Gun dès que j'arrive. Dès qu'on arrive en jeu, on fait des Top Gun Mumble. Ou on se regroupe sur Mumble. Ou alors voir s'ils ont un serveur Mumble eux. À voir. Mais du coup, ça pourrait être cool quoi en fait. Bon, j'avais pas vu exactement tous les mini-jeux quand même. À savoir que sur Serve j'étais là depuis vraiment hyper longtemps. Genre, il y avait une époque Cubes PVP avant, donc un serveur je sais pas s'il l'hébergeait ou quoi, mais il était en plus dessus. Il l'avait relié à leur Discord en fait, à leur serveur. Ok, c'est que vous êtes innocent, merde. Y a rien. J'ai déjà mort. Oh, j'ai déjà mort. Oh, c'est trop. C'était le mec à côté, oh le salaud! Le mec il m'a tué en 2 secondes! En 2 secondes les gars! Les autres ils sont pas dans la confiance. C'est qui lui? Ah c'est le meurtrier! Ouais, du coup nous on peut pas parler mais on voit qu'il est le meurtrier, je crois. Ouais! Il est pas cramé du tout! Tout le monde le voit! C'est abusé! Le mec il se cache pas du tout! Qui était un meurtrier. Ah, c'était le détective le bleu. Ah, ok. J'ai cru qu'il avait tué un mec au pif. C'était le détective, d'accord. Ah.
Ok, tout s'explique en fait. Si c'est le détective, tout s'explique tout d'un coup. Ok. Parce que là, on le voyait avec son épée et on se disait, mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il se balade comme ça? Le meurdeur, imaginez le mec, il doit tuer les gens. Il se balade tranquille avec son épée à la main. Il fonce sur les autres en essayant de les taper alors qu'il y a un détective dans le tas. C'est tellement pas cramé. Bon, alors, règle du meurdeur, ça nous met. Je repris d'un gameplay de Garry's Mod où des meurtriers sont cachés parmi les joueurs et doivent tuer tous les innocents. Pour les meurtriers, tuer les innocents. Pour le détective, tuer les meurtriers. Pour les innocents, aider le détective. Au début de la. Oh, c'est cool, ça nous ferme pas le livre. Au début de la partie, votre rôle vous est donné au hasard. Si vous êtes meurtrier, vous devez faire preuve de discrétion et tuer les innocents sans vous faire démasquer. Je suis innocent. Si vous... J'ai pas envie de me faire tuer dès le début. Non, putain. C'est... Non, en vrai. Ah. Il est... Il essaye de pas être cramé, mais on le voit. Il est à côté... Le détective l'a vu. Il était à côté du détective. Vas-y, fonce, Red Eye. Allez. Tu sais que c'est lui. Putain, en plus il y avait le meurtrier. Je sais pas s'il pouvait taper sur le détective, mais il était à deux doigts quoi. Il est passé juste devant lui, il aurait pu. Ah, le détective a tué Chris qui était un meurtrier. Il y en a plusieurs? Il y a plusieurs meurtriers. On va me dire qu'il y en a plusieurs. What? Attendez, la partie n'est pas finie. Il y a vraiment plusieurs meurtriers ou ça se passe comment? On n'a pas vu les règles, mais. Enfin, on n'a pas eu les règles en entier. Donc, je sais pas. Bon, je suis le détective. Il va se faire tuer à un moment, peut-être. Mais en tout cas, apparemment, il y a un autre meurtrier, sans doute. Ouais. Ou alors, ils doivent tuer le détective, je sais pas. Aucune idée. Le détective, là, qui va tuer un innocent, sans doute. Parce que je l'ai pas vu sortir son épée, l'autre. Donc, bon, peut-être il l'a vu de loin. J'ai pas vu sortir son épée. Ok, qu'est-ce que tu fabriques toi? Est-ce que vraiment il va vouloir. Tiens. En fait, il se balade de balcon en balcon, il sait pas où est le mec. Et nous, on clic droit. Clic droit pour ouvrir. Fonctionne pas. Bon, c'est pas grave. Sinon, on a clic molette pour ceux qui savent pas. On déplace les porte-player. Clic molette. Clic molette, enfin molette encore, et puis là on choisit ce qu'on veut. Voilà, c'est le mode spectateur de base de Minecraft qui rajoute ça. Et pour le fermer, bah du coup, on va jusqu'à l'icône close menu et puis on clique molette. Voilà, vous savez tout maintenant, comme moi. Waouh, on a le menu spectateur déjà de base en fait. En fait, on avait un menu spectateur, clic gauche. Ok, bon, pas besoin de. Voilà, ça fonctionne pas là, mais du coup, là, clic gauche. Voilà, clic gauche et puis vous avez le menu. Et vie 10, 10, ok. Pour comment il a pu perdre un. Ah, les mecs ils perdent de la bouffe. Ah ouais, bon ok. Ouais, en fait, il nous donne nos côtelettes. Ça se trouve, le mec il est AFK, il a pas mangé ses côtelettes. Je sais pas. Et là, il se bat. Il va tuer un innocent. Non. Il essaie de voir le comportement des gens. Il essaie de voir, d'analyser leur comportement dès qu'ils sont tapés par le détective. Et où peut-il être le meurtrier? Vu qu'il y en a un deuxième, du coup, le deuxième meurtrier. Où peut-il être? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Il est où? Mais où est le meurtrier? Il se balade, du coup. Mais il sait pas où est le meurtrier. Et du coup, ça peut être qui? Non, merde, c'est le détective. Apparemment, c'est lui, selon des gens. Ou déjà. Ouais. Oui, ok, ouais, nickel. C'était lui. On est d'accord. C'est. Voilà. Il l'a remarqué, voilà, mais c'était lui. Parce que, en plus, il l'avait dit dans le chat, mais le truc, le mec, il est caché derrière un mur comme ça. Qu'est-ce qu'il fabrique? Putain, on se demande tous, qu'est-ce qu'il fabrique? Deux serveurs, trois jours. Dédale!
Merde, c'est en jeu. Ok. Bah écoutez, voilà, on va refaire une autre partie. Mais du coup, je vais vous demander. Alors, moi, je vais poser comme date samedi. La date où on va aller dessus sur le serveur. Je l'annoncerai aussi sur le Discord du serveur. Donc, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Je mets le lien en description. Le Discord de la chaîne YouTube. Je mets le lien en description. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Et du coup, je vais l'annoncer là-bas. Du coup, je pense samedi prochain. Donc, ça serait. Alors là, on est le 17. Donc, le samedi 16, samedi 23. Samedi 23 mars, normalement. À quelle heure? Samedi 23 mars. Je peux dire 16h. 16h, 16h30. Je vais voir l'heure exactement à la limite. Je vous le dirai sur Discord. Et puis voilà, je vous le dirai sur Discord. Et sinon, dans les prochaines vidéos aussi, je vous annoncerai ça. Pour savoir quelle heure exactement. Pour voir quand est-ce qu'il est censé y avoir le plus de monde de base sur leur serveur. Et que ce soit une heure en journée, par exemple, aussi. Voilà, comme ça peut être cool pour tout le monde. Bon, c'est un serveur français, donc logiquement, c'est à nos heures à nous. J'ai pas fait gaffe qu'on était dans un murder. Putain, j'ai cru qu'on était encore dans le truc d'attente. Putain, je suis irrécupérable, les gars. C'est abusé. Vas-y, on en relance une autre. Je suis irrécupérable. C'est. Ah, ok, bon, il était pas encore relancé. Putain, irrécupérable. C'est. Putain. Comment je fais pour vivre? Non, j'ai de l'attente. Et ouais, du coup, c'est le nail, on est d'accord. Je crois que c'est le nail qui a l'air cool avec les éponges. Ça a l'air drôle. Je vais voir quel mini-jeu on va faire. Je vais y réfléchir un petit peu et je vous annoncerai du coup dans les vidéos de demain, etc. Et aussi sur le Discord de la chaîne quel mini-jeu on fera samedi prochain. Ce sera pas un Top Gun normalement. Ce sera pas l'event long. Pour event long, je verrai peut-être dimanche à la limite un Top Gun ou un truc du genre. Du coup, voilà, je vais vous prévenir pour les trucs comme ça, pour les events. Ça pourrait être sympa de vous prévenir comme ça. Je vous préviendrai aussi sur le compte Twitter. Donc, n'hésitez pas à follow le compte Twitter que je mets en description aussi. Voilà. Donc là, règle du murder. On a besoin de savoir combien il y a. Article complet, non. Ok. Il y a pas marqué, je crois, le nombre le nombre de meurtriers et tout. Les meurtriers. Il y en a plusieurs. On est d'accord. Innocent, ils doivent aider le détective et je suis innocent. Putain, je suis innocent 4 fois de suite. Casse-toi, espèce de merde. Ah non, c'est le détective, j'ai rien dit. Pardon. J'ai rien dit, je suis innocent, bonjour. Bonjour, je peux te taper? Bah non. C'est BDN. BDINU apparemment. Je fais gaffe. Hop, je me mets à côté du détective. En vrai, il va penser que c'est moi. Ah ah, je ne peux pas le taper. Non, tu vois, je peux pas le taper. T'as vu? Ça ne donne rien. Parce que normalement, j'aurais pu les taper si j'étais meurtrier. Ou alors, ils ont fait le truc bien. Ils ont fait qu'ils peuvent juste taper s'ils ont une épée. S'ils ont l'épée en main. Là après ouais c'est un peu plus galère de trouver parce que s'ils ont l'épée en main bon on devine que c'est eux mais s'ils l'ont pas on devine pas. Oh yes, GG GG, j'ai gagné 235 points sans rien foutre. C'est des points quoi en fait? L'autre on a eu 5 points et l'autre 235. On est sûr que c'est vraiment de. Ah vous avez. Ok, vous avez gagné 5 points. C'est pas vous avez gagné 235. J'ai cru, mais bon, ok. C'est juste, on a gagné 5 points, voilà, du coup. On a gagné 5 points. Skin. No skin custom. Ok, bon. Hop, on va faire un peu le jump. Je suis pas doué. Je suis pas doué. Putain. Vas-y. C'est parce que. J'ai.
Non, j'ai peur en fait pour. Oh, c'est bon. Oh, yes, on n'a pas le speed. Tu me sauves la vie, mec. Tu me sauves la vie. Hop. Aïe. Y a un checkpoint. On est d'accord. À un moment, il y a peut-être un checkpoint. Non, putain. Allez, on en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, 6. On va essayer d'en faire 7. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Mais on essaie d'en. 3, 4. Putain, on va recompter. 1. Ok. 2, 3, 4, 5. Le record 6. 1, 2, 3, 4, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. Je vais pas réussir à en faire 7 en vrai. C'est abusé, j'ai eu de la chance en faisant 6. Je vais pas réussir à en faire 7. Ah, j'aurais fait 6. Je vais pas du tout réussir à en faire 7. Mais du coup, c'est pas grave. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit. Ah, voilà. C'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. À vous abonner si c'est pas déjà fait. À partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Darkbo. Tchuss!